C'est quoi ce bruit? Oh, je crois que c'est un voleur. Eh, vas-y, je vais aller lui faire peur, frère. Il est fou, il vient chez moi, lui. Toi, tu veux braquer chez moi, toi. Toi, là, tu veux braquer chez moi. T'es foutu, mon gars, t'es foutu. T'es foutu. La vie de ma mère, je vais te planter avec mon stylo. La vie de ma mère, viens là. Au revoir. Et bah voilà. Wesh, elle prend son temps, là, cette chienne, elle est où? Elle est là, wesh. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Eh, hey, madame. Madame, madame. Oh, bah qu'est-ce que vous faites là? L'école n'ouvre que dans une heure, hein. On avait envie de vous voir avant que l'école, elle ouvre. Pourquoi? Pour pas que l'école, elle ouvre. Pardon? J'ai réfléchi. Les vacances, c'est trop bien, frère. Je peux me lever à midi, je peux jouer à la play, je peux sortir avec mes potes. Mais il y a une chose qui empêche tout ça. J'ai réfléchi, c'est vous. Eh, hey, madame, madame, c'est moi, j'ai l'idée, wesh. C'est moi, je lui ai dit. Si tu veux que les vacances, elles durent longtemps, viens au but de la prof. Ouais, mais ta gueule, toi. Vous le connaissez, lui, madame, il est toujours dans l'abus. Lui, il voulait vous buter, lui. T'avais dit oui, wesh. Pourquoi on est venu plus tôt, alors? Wesh, t'es malade, toi. J'avais dit oui pour qu'on la mette dans un cercueil et qu'on l'enterre vivant, pas pour qu'on la bute. Eh, je ris, c'est un mytho, madame. Mais non, ouais, je veux la buter, c'est plus rapide, frère. Mais c'est mort, frère, on va pas la buter, t'es malade ou quoi? Eh, tu sais quoi, Pierre, fait ciseaux, celui qui gagne, on fait son idée. Vas-y. Pierre. Feuille. Ciseaux, puits. Wesh, y'a pas le droit de faire puits. Si, y'a le droit. La vie de ma mère, y'a pas le droit. Eh, tu sais quoi, vas-y, viens, on demande à la prof, elle préfère quoi, elle? Ouais, vas-y, vas-y. Eh, wesh, elle est où? J'espère que vos vacances se sont bien passées et que vous êtes tous contents de revenir en cours. Je t'avais dit, on aurait dû la buter, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les invités, je les ai entendus. Ils sont dans le salon. Je vous jure, là, c'est code rouge. Eh, quand il y a les invités, c'est comme quand il y a l'alarme incendie à l'école. C'est pire! Jure, on fait quoi? Je sais pas, soit on va les voir, on leur dit bonjour et on part, soit on se cache. Je suis désolée, hein, mais dans ce genre de situation, c'est chacun pour sa peau. Et moi, ma peau, j'y tiens. J'ai une idée. C'est quoi? Je vais inventer une excuse pour qu'il y aille en premier. Je vais le laisser en plan. Et vous allez voir que ce débile, il va y croire. On va les voir, on leur dit bonjour. Et toi, genre, tu me dis, ouais, on va finir l'exercice. Comme ça, après, on peut partir. Ah ouais, pas bête. Je vous avais dit quoi? Non, mais vas-y un peu avant de moi. Comme ça, tu leur dis que je révise. J'arrive après, comme ça, c'est plus crédible. C'est une bonne idée, en vrai, hein. Fuck les invités. Ah ouais, t'es pas bête, toi. Comme ça, je dis ça dès que j'arrive. Et dès qu'on part, je dis l'excuse. Ok, vas-y. Et dès que dans le salon, dis-moi de venir, s'il te plaît. J'ai un truc à lui dire, vite fait. Ok. Bonjour, Anna, elle arrive, elle révise. Maman, Anna, elle t'appelle. Dans la vie, pour survivre, il faut savoir faire des sacrifices. Et encore, là, ça va, c'était pas un gros sacrifice. Oui, oui, ça va, et vous? Maman, elle t'a dit quoi, Anna? Elle est dans sa chambre, elle révise, faut pas la déranger. Oh la peste. Oui, ça va. C'est mon argent, ça. C'est mon argent. Mon argent. Mon argent. Ah! Papa! Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je t'ai entendu crier. J'ai fait un cauchemar. Quelqu'un me volait tout mon argent. Je suis devenu pauvre, j'ai plus rien. Vérifie si on a toujours de l'argent. Ah, ok, ok, je vois. Bon, attends, je vérifie. Alors. Alors, on a toujours? Non, c'est bon, c'est toujours marqué 1 milliard d'euros. T'inquiète pas. Ah, tu me rassures. Ramène-moi un peu d'argent pour que je voie de mes propres yeux. Ok, mais par contre, j'ai pas grand-chose sur moi. Attends. Tiens, j'ai que ça. Bonne nuit. Wesh, regarde-moi les deux là-bas. Là, ils font quoi, frère? Wesh, tu fais quoi, guignol numéro 1 et guignol numéro 2, là? Je me concentre pour maîtriser mon chi. C'est quoi, ça? Mon chakra. Sensei, laissez-moi leur faire ma nouvelle technique secrète interdite du babouin céleste. Ne te déconcentre pas, jeune padawan. Wesh, ils se sont pris pour Bruce Lee, ou c'est comment, eux? Vous ne devriez pas venir nous déranger. Nous maîtrisons la force. Nous sommes des adeptes du combat. Wesh, ouais, en mode karaté là, wouchiou! C'est. Bande de misérables que vous êtes. Vous allez souffrir si vous continuez.
Ya. N'énervez pas mon sensei, sinon vous allez le regretter amèrement. Hein? Ipon sonage. Wesh, ils font quoi là? Ongezagatame. Technique. Tu. Singe. A. Trois. Que. Wesh! C'est ça, fuyez. On reprend l'entraînement. Merci pour ce combat, honorable sensei. Vol, petit billet. Bonjour, fils. Oui, père. Qu'est-ce que tu es encore en train de faire, Agnon? Je fais des avions en papier. Pourquoi? Amusant. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Oh, il est parti bon, celui-là. Tiens, il a été conçu spécialement pour toi. Merci. C'est quoi? Pourquoi il y a des numéros? C'est un calendrier de l'Avent. Tu ouvres une case tous les matins et dedans il y aura un petit cadeau pour toi, jusqu'au jour de Noël. Ah ouais, un calendrier de l'Avent. Merci papa, j'en ai jamais eu un. Pas de souci mon fils. Maintenant tu dois ouvrir les premières cases, car je te l'ai offert un peu en retard. Dans la première case, il y a un iPhone. Merci, mais je l'ai déjà. C'est pas grave, ça t'en fera un deuxième. Allez maintenant, ouvre la deuxième case. Dans la deuxième case, il y a... Oh, une petite pépite d'or. Sympa, je vais la mettre sur mon étagère. C'est une pépite d'or très spéciale, elle appartenait à la reine d'Angleterre. La famille royale me l'a offert. Ah, hop là, ouais. Pas terrible ce cadeau, des mouchoirs. Bon, on n'abuse pas, Agnan, ce sont pas des mouchoirs, ce sont quand même des billets. Même si... Je sais, je rigole, mais pas terrible quand même, je préférais les cadeaux d'avant. Bon, j'ouvre la quatrième case. Maintenant, c'est une case par jour. Tu recommences à ouvrir les cases à partir de demain matin. C'est bon, ok, j'ouvrirai demain. 20/20. Donc c'est un petit contrôle, ne vous inquiétez pas, il ne comptera pas beaucoup dans votre moyenne. Une guerre est faite de batailles, et là, j'ai une bataille. Je suis fait pour ça. Le but de ma vie est d'avoir seulement des bonnes notes et uniquement des bonnes notes. De toute façon, vous avez... Mes performances seront excellentes. Du calme, s'il vous plaît. Et je vous ai prévenu longtemps à l'avance, donc normalement vous êtes tous prêts. Je suis le meilleur. J'aurai encore une fois la meilleure note de la classe. La meilleure moyenne. Le meilleur bulletin. Wesh, il est schizophrène le poteau là, non? C'est moi le meilleur. Je vais réussir ce contrôle. Je me suis préparé pour ce moment. Je vais exceller. Wesh, ma gueule, réveille-toi. Tu parles en dormant. Je réfléchirai plus vite que n'importe qui. Ma main écrira plus vite que n'importe qui. Je finirai avant tout le monde. C'est comme ça qu'il a des bonnes notes. Oh, le sorcier. Tiens, 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est ainsi qu'éclata la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié d'enlever le son. C'est quoi ce bruit ? À qui est ce téléphone? Vous retournez pas, elle va savoir que c'est moi après. Que quelqu'un se dénonce! À qui est ce téléphone? J'ai eu chaud. Bon, la personne a de la chance, mais que ça ne se reproduise pas! Je vais enlever le son. C'est bon, merci. Wesh, les gars, il fait quoi ici, lui, là? Normalement, les troisièmes, ils sont en sortie aujourd'hui. Comment il fait, le mec? Ma gueule, viens. Wesh, je vais te marrer, celui-là, là. Les gars, venons, on fait un truc. Moi, je vous dis. Vas-y, on y va. Bouh. On y va, l'attaque! Portez-le! Et on le ramène aux toilettes! T'es foutu, mon gars. Wesh, c'est qui, elle, là-bas? Où ça? Je l'avais jamais vue, elle. Elle est dans l'école. Non, elle est trop grande pour être dans le collège. Je pense qu'elle doit être dans le lycée à côté. Lycée, collège, c'est pareil, frère. On a tous un prof et on est tous assis sur une chaise. C'est vrai qu'elle est pas mal, hein? Vas-y, viens, on va la voir. Wesh, attends, il fait quoi avec elle, lui? Ça va et toi? Il fait quoi, lui, frère? Ça se trouve, ils sortent ensemble, hein?
Hey, je vais le démarrer, lui. Comment ça, il me vole ma meuf? Ah ouais, elle te trompe, cette folle. Vas-y, viens, viens, viens. Hey, toi, là, tu joues à quoi? Mais j'ai fait quoi? Hey, tu fais le fou avec qui, toi? Pourquoi tu fais le fou avec moi? Mais j'ai rien fait. Ah, moi, je t'en mets une, pas deux, moi, je t'en mets une, pas deux. Eh hey, oh, calme-toi. Tu le connais? Ouais, ça y est, j'arrête, bébé. Y'a que toi qui peux me contrôler. T'as de la chance, elle est là, frère. Mais à qui est-ce que tu parles? Passe ton snap. Mais c'est ma mère, hein. Oh. Bah vas-y, passe ton Facebook alors. Toi, tu suis pas depuis tout à l'heure. Va au tableau, va faire l'exercice, s'il te plaît, dépêche-toi. Moi? Oui, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Cher. Ça. Ne t'inquiète pas, ma petite nouille. J'ai tout prévu. Eh, vas-y, mon gars, force, hein. T'es foutu. Ça. Music. Qu'est-ce qu'il va faire? Il nous fait quoi, là, Luis? Ah? Il est possédé, ce mec, c'est pas possible. Tout ça pour moi. Wesh, la tête d'homme, c'est trop, là. Faut que je me lave les yeux. Bon, je vais pas m'embrouiller avec lui, il est peut-être dangereux. Dehors, s'il te plaît, tu peux sortir? Ah, mouah. Est-ce que tu pourrais aller dehors juste un instant, s'il te plaît, pour ouvrir la porte et sortir? Salut, salut! Eh, on est d'accord, il y a des douleurs, c'est pire qu'un coup de couteau. Pourquoi personne n'en parle, wesh? Faut faire des protections. Exemple numéro 1, la tête d'Ouam, tous ceux qui l'ont eu celle-là. Frère, on est des guerriers, j'ai joué, on est des survivants. Wesh, mon cœur. Maintenant, si je vous montre ça, c'est quoi votre ressentiment? Jure la vie de ta mère, c'est pas pire qu'un couteau, ça? T'es un homme, marche dessus. Vas-y, marche. Ouais, mon pote. Ça là. Maintenant, on passe au cran supérieur. Une douleur, mon pote, une douleur. Mais qu'est-ce qu'elle est douloureuse? Elle fait mal. Des fois, j'ai l'impression que le corps, il est mal fait. Wesh, comment ça, là? Ici, là? C'est le point sensible, ici. Fallait mettre une carapace. La tête d'Oham t'appuie ici, je suis comme une chaise pliante. Je me plie. Et maintenant, le pire pour la fin. Eh, mais la douleur, elle est atroce. La tête d'Oham, wesh, ça fait trop mal. Tu me tapes mon orteil, toi. Oui, papa. Bon, je vais vous rendre vos contrôles. Je te rappelle tout à l'heure, là, je suis à l'école, d'accord? Bisous. Théo, 5. Léa, 15. Bien joué. Et toi, Agnan, je te mets combien alors? Ah là là, Jérôme. Quelle question. 20, comme d'habitude. Tenez, je vous paye en dollars. J'ai pas le choix parce que la semaine dernière, je suis parti en jet avec mon père aux États-Unis et j'ai plus aucun euro. Ok. 20 sur 20. Tiens, merci. Merci, voilà. Pas de souci. Wesh, elle a vu de ma mère, il a donné de l'argent au prof et il lui a mis un 20 sur 20. Laisse tomber, hein, c'est Agnan, le fils à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Wesh. Que me veut-il, celui-là? Tu peux régler ce problème, Agnan, s'il te plaît? Ça serait bien qu'il n'en parle pas. Allez, tiens, toi aussi, 1 dollar symbolique et tu te tais. Wesh, tu m'as pris pour un pigeon, toi, ou quoi? Tu crois que je vais faire quoi avec 1 dollar? Ah là là, t'es dur en affaire, toi. Hein. Tiens, 100 dollars, et tu te tais. Tu veux que je fasse quoi avec 100 dollars? Wesh, je vais acheter quoi? Une canette, maximum? Ça fait 100 euros, mon cher. Tu sais c'est quoi, 100 euros? 100 dollars égale 100 euros. Si tu ne les veux pas, moi, je m'en fiche. Hein. Ah, 100 euros. Eh, vas-y, 100 euros. Vas-y. Bien vu. Et bah voilà, on a trouvé un accord. Maintenant, tu te tais, s'il te plaît. Et t'arrêtes de te mêler des affaires des grands. Alors, dites-moi, quel est le plus petit pays d'Europe? Moi, je sais, madame! Madame, moi, s'il vous plaît! C'est le Luxembourg! Très bien, Églantin, c'est juste. Mais madame, il a même pas levé la main! J'avais la réponse, moi aussi! Oui, elle a raison, tu aurais pu lever la main. Bon, maintenant, dites-moi les chaînes montagneuses en France. Madame, moi, je sais! Madame, je sais! Les chaînes montagneuses en France sont les Alpes et les Pyrénées! Bim! Mais je savais! Madame, elle a pas levé la main! Les pays frontaliers à la France sont l'Espagne, les Pays-Bas. Madame, vous avez faux, hein. Les Pays-Bas, c'est pas frontalier à la France d'abord, c'est frontalier à la Belgique. Mais tu sais, Églantin, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein. Même au meilleur. Enfin, sauf moi, mais.
Dites-moi où se trouve le plus grand aéroport d'Europe. Moi, je sais. Je sais, madame, moi. Non, moi. Laissez, madame, moi, madame, s'il vous plaît. Bon, vous vous calmez, s'il vous plaît. Madame, j'ai levé la main avant. Madame, s'il vous plaît, lâche-moi, c'est outrage à ma personne, je peux porter plainte, j'ai la liberté d'expression. Moi. C'est l'Angleterre. Bon, vous savez quoi, vous allez aller vous calmer dehors, d'accord? Quoi? Vous pouvez répéter, madame, s'il vous plaît? Hein? Madame? J'ai dit dehors, allez vous calmer dans le couloir. J'arrive plus à respirer. Ramenez-moi mon inhalateur. On peut pas louper le cours, madame, on n'est pas des élèves perturbateurs. Vous allez pas nous exclure quand même. Pas nous, madame. Pas nous. Allez, allez, un délégué les accompagne, s'il vous plaît. Mais madame, c'est moi la déléguée, c'est moi. Non, mais tout, mais pas ça. C'est mon cauchemar. Eh, bouffon. Tu parles à qui, toi? Bah, je parle à toi, t'es bête ou quoi? Tu vois quelqu'un d'autre dans la pièce? Tu pourrais pas être gentil, tu vois? Juste un jour dans ta vie, juste un jour, tu me dis salut, mon frère que j'aime. Tu peux pas? Si, je peux, mais j'ai pas envie. Bref. Tu veux quoi? Tu sais que j'ai un super pouvoir. Ah ouais, un super pouvoir? Et c'est quoi? Tu me crois pas, ça se voit. Mais si, je te crois. C'est quoi ton super pouvoir? Tu me crois pas et en plus, tu me prends pour un débile. Wouah, mais je t'ai dit que je te crois. Si je te dis que je te crois, c'est que je te crois. Vas-y, dis, c'est quoi ton super pouvoir, là? Je peux te faire punir quand je veux. Hein? Quoi? Je peux te faire punir quand je veux, t'as compris? Comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je te fasse une petite démonstration de mon super pouvoir? Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai rien compris à ton super pouvoir. Je peux te faire punir quand je veux. Maman! Tu fais quoi? Arrête de crier, là! Noé m'a frappé! Quoi, quoi? N'importe quoi! 3, 2, 1... Noé, viens poser ton téléphone dans le salon, dépêche-toi! Tu vois, je t'avais dit que j'avais un super pouvoir. Eh ouais, je suis un super héros. Bon, maintenant, comme c'était prévu, quelqu'un va venir réciter le poème qu'il a choisi au tableau. Si je ferme les yeux, peut-être qu'il va pas me voir, hein. Toi. Cher, va au tableau, va. Je suis obligé d'y aller. Bah ouais, t'es obligé, tu crois, c'est l'école à ton père ou quoi, toi? Oui, oui. Je vais y aller à sa place. Prenez-moi plutôt qu'elle. Non, elle va y aller, c'est gentil, tu peux te rasseoir. Mon héros. S'il vous plaît, prenez-moi à sa place. Ouais, j'y crois, on va la tuer ou... Non. Je vais y aller. T'en es sûr, mon petit sushi au thon? On t'écoute. Konnichiwa. Aujourd'hui, je vais vous réciter le poème que j'ai choisi. J'ai jamais réussi à croquer mes ongles des pieds, c'est trop loin. C'est un poème un peu particulier, mais vous devez l'écouter. Écoutez-la. Zubi. Chers êtres humains, fragiles, faibles. C'est ton grand-père qui est faible, ouais. Elle parle à qui? Rejoignez-moi dans le côté obscur, mes frères. La petite mère, c'est Dark Vador. Venez avec moi, je vous tends la main. Je suis tellement fier de mon petit grain de riz. Wesh! Au nom du père? C'est quoi déjà? Du père, du grand-père et de l'arrière-grand-père! J'ai fini. Et alors, tu veux qu'on t'essuie les fesses? Applaudissez! Mes frères, rejoignez-nous. Où ça? En enfer? Sans moi. Mon frère, rejoins notre groupe. Comment ça, mon frère? Rejoins le côté obscur. Non, non, non! Ah, je suis touché! Adieu, monde cruel, adieu! Monsieur, vous aussi rejoignez-nous. Je suis vraiment en train de faire semblant d'être mort. Oh, je suis pas assez payé. C'est bientôt mon heure. Monsieur? Ah, c'est l'heure de la coquille! C'est pas l'heure de mourir, rentrez vos affaires!